Avec la jeune princesse de Condé? Oui, pas avec la princesse Douairière, quand même. Tu en es sûr? Mais oui, j'en suis resté aussi stupéfait que toi. Mais tout le monde me l'a confirmé à Chantilly. Cette jeune femme est bien la princesse de Condé. C'était la même que tu avais vue à Jaulnay? Ça ne fait pas l'ombre d'un doute. D'ailleurs, pour le vérifier, j'ai fait parler leur valet à tous les deux. Mais ce qu'ils m'ont appris a achevé d'éclairer ma lanterne. Quoi donc encore? Ils devaient préparer bagages et chevaux pour se retrouver de nouveau à Jaulnay. Quand cela? Dans quelques jours, le premier arrivé attendrait l'autre. Oh, qu'il me trompe, Roland, c'est déjà affreux, mais qu'il me trompe avec l'une de nos pires ennemies, je n'arrive pas à le croire. Mais il ne s'agit peut-être pas d'intrigues amoureuses, mais seulement politiques. Non, il a toujours été un fidèle soldat de Sa Majesté. Il n'a jamais pris le parti des princes. S'il a subitement changé de camp, c'est qu'il y a quelque galanterie là-dessous. Oh, mais il me le perd. Je suis là pour ça, sœurette. Tu as tant besoin d'argent. Oh, tu es injuste envers moi. Moi qui ai fait diligence pour venir te prévenir, poussé par l'amour fraternel. Serait-ce à dire que ta visite est désintéressée? Non, je n'irai pas jusque-là. Mais comme ça n'a pas trop mal marché pour moi à Chantilly, je suis prêt à te faire un prix d'amis. Je dirais même un prix de famille, si, comme je le pense, tu as encore besoin de mes services. J'en ai bien peur. Tout cela est tellement embrouillé. Comment? Pourquoi? Alors qu'il était parti à Mende délivrer un message à Sa Majesté la Reine, s'est-il retrouvé à Chantilly en train d'intriguer avec la princesse? Ce qui m'importe maintenant, c'est d'empêcher ce rendez-vous de Jaulnay. L'avantage, sœurette, c'est que je connais déjà les lieux. Moi, je commence à avoir une idée de ce qui pourrait me le ramener. Eh bien, avec mon épée, ton idée, et disons 300 écus, je suis prête à tout. Je me demande ce que tu peux faire de tout cet argent. C'est qu'il va m'en falloir beaucoup pour le régiment que j'ai obtenu dans l'armée des princes. Toi, tu vas avoir un régiment dans l'armée des princes? Non, je ne vais pas. Je l'ai. Il ne me manque plus que les soldats. Mais qu'est-ce que tu vas dire au duc? Mais ne t'inquiète pas, j'en ai vu d'autres. Francinette, apporte-nous à boire, s'il te plaît. Il va te questionner sur la mission de Canol. Qu'est-ce que tu vas lui dire? Eh bien, je lui dirai... Monseigneur, ça s'est passé au mieux. Sa Majesté la Reine vous envoie ses compliments. Et Monsieur le Cardinal, sa bénédiction. Mais enfin! C'est une honte! Un déshonneur! Un grand garçon comme vous! Un capitaine se laisser berner par des femmes! Que votre éminence ait plutôt l'habitude de me battre contre des hommes que contre des femmes. Il me semble que c'est quand même plus facile de surveiller des dames que d'emporter une redoute! Sans doute. Pour un homme comme votre éminence, plus rompu à la diplomatie qu'un pauvre diable comme moi, mieux à son aise sur un champ de bataille que dans un salon ou dans une alcôve. Monsieur de Canol n'a pas tout à fait tort. Et cette guerre de femmes a de quoi dérouter le soldat le plus intrépide. On ne demandait pas à monsieur de Canol d'être intrépide. On lui demandait simplement d'être perspicace. Il n'y avait pas besoin de l'être tellement pour distinguer une princesse du sang de l'une de ses suivantes. D'abord, je n'avais jamais vu son Altesse royale, la princesse de Condé. Ensuite, la vicomtesse de Cambre, qui tenait son rôle, est une femme d'une haute naissance, d'un grand charme, d'une grande beauté, d'une grande distinction. Si elle était vraiment tout cela, ce ne pouvait évidemment pas être cette gueuse de Condé. Ben, cette gueuse de Condé, comme dit si justement Sa Majesté, si vous l'avez laissée glisser entre vos doigts, au moins savez-vous pour où elle est partie. Et si elle doit rejoindre des forces armées, lesquelles? Hélas, non, pas vraiment. Ah, qu'est-ce que les doutes d'Épernon pouvaient bien avoir dans la tête quand il nous a envoyé en mission ici? Mais c'est à se demander s'il vous avait même jamais vu. Oui, votre éminence, c'est à se le demander. Ah, ne soyez pas insolent par-dessous le marché. Je prie votre éminence de croire que je n'en ai jamais eu l'intention, et que je n'en ai d'ailleurs pas la malice. Je la prierai également par la même occasion, puisque mes services n'ont pas eu l'heure de lui plaire, de me permettre de regagner mon régiment en Guyenne. Il n'en est pas question pour le moment. Dieu sait ce qui peut se passer là-bas. Et nous aurons bientôt besoin d'officiers ici. Et si le baron de Canol est comme il le dit et comme je le pense, meilleur officier qu'espion, nous devrions trouver à l'employer ici. Votre éminence, il faudrait pourtant... C'est fait, monsieur. Et gardez les arrêts jusqu'à nouvel ordre. En fait, jusqu'à ce que nous ayons pris une décision à votre égard.
Dito. Entrez. Ah, ce n'est que toi, poupée. Ah, mais je ne suis pas seul. Bonsoir. C'est pour savoir quand le gentilhomme désire prendre son dîner. Mais vous êtes donc tous les mêmes, vous autres aubergistes. Vous ne pensez qu'à manger. À manger, non. Mais à faire manger, oui. Eh bien, vous nous ferez manger. Et vous nous donnerez ce que vous avez de mieux lorsque mon convive sera arrivé. Mais pour l'instant, laissez-moi tranquille, s'il vous plaît. Moi, ce que j'en dis, c'est pour que ce soit ni brûlé ni réchauffé, hein. Alors il devrait plutôt pas tarder à arriver. Oh là 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 là. Ça recommence comme chez Maître Biscarros. Les circonstances sont peut-être les mêmes, Pompée, mais pas les hommes. Là-bas, j'attendais un homme que j'aime comme un frère, Richon. Et maintenant, j'attends un homme que j'aime tout court. Quand je pense que la dernière fois que nous étions ici, vous aviez tellement peur de le voir arriver, et aujourd'hui, vous avez tellement peur de ne pas le voir venir. Mais que t'as donc bien fait. Mais c'est quand même pas fait arrêter par ce faquin de Mazarin. Voilà. Alors, nous reprenons notre service auprès de vous, monsieur le capitaine de Cominiac. Colonel, à présent, Ferguson, colonel. Messieurs, prenez place. Colonel. Eh oui, figure-toi. Et même deux fois. Ah, comment cela? Vous ne pouvez quand même pas être colonel dans deux régiments différents. Le roi lui-même ne le pourrait pas. Pour être plus précis, j'ai le choix entre deux régiments. L'un dans l'armée des princes et l'autre dans l'armée du roi. Ah, ce qui me plaît quand on travaille avec vous, c'est que ça n'est jamais monotone. Alors, trinquons à nos retrouvailles et repartons comme avant. Pas tout à fait comme avant, Ferguson. Hein? Nous avons de l'argent en plus. Tiens, celle-là est pour toi. Et celle-là pour vous autres. Vive le colonel! Ah non, colonel! Vive le colonel! Ces messieurs ne vont pas se contenter de voir et vont, je l'espère, faire honneur à ma cuisine qui, j'ose le dire, est la meilleure à 100 lieues à la ronde. Nous ferons au mieux, mon commis et moi. Faites, mon ami, faites. Mais faites aussi au plus vite, car nous avons de la route à faire. Eh bien, tu n'as pas entendu, monsieur le colonel. Dresse la table de ces gentils hommes. Apporte ce qu'il y a de meilleur. Si je comprends, les affaires marchent bien. Elles marchent bien, Ferguson. Mais si je t'ai fait venir, c'est pour qu'elles marchent mieux encore. Ah. Mais quelle est la source de ce pactole? Eh bien, tout d'abord, le blanc-seing, comme je l'avais prévu. Mm-hmm. Et puis, depuis peu, c'est devenu plus familial. Familial? Ma petite sœur chérie. Celle dont tu interceptais et monnayais les lettres. Mm. Eh bien, celle-là, au moins, on peut dire qu'elle est pas rancunière, hein? Non. Elle est amoureuse et donc anxieuse. Elle a besoin de moi, Ferguson. Et maintenant, de nous. Voilà une terrine de sanglier aux truffes pour monsieur le colonel. Mais elle me paraît excellente, maître Biscarros. Alors? Je vous ai déjà dit que je ne souperai que lorsque mon convive sera arrivé. Vous attendez quelqu'un d'autre pour dîner? Oh, c'est vous, enfin! Ah, enfin, Claire. Savez-vous que vous avez un gros avantage sur moi? Quel avantage? Celui, justement, de m'appeler Claire. Je ne connais toujours pas votre nom. C'est vrai que moi, je peux vous dire, Claire, je vous aime. Alors que vous n'avez pu encore me dire, je vous aime, Philippe. Je vous aime, Philippe. Pourquoi avez-vous tant tardé à venir? Ça n'est fallu de peu que je ne puisse tout simplement venir. Mazarin? Oui. Cela s'est fort mal passé avec lui. Il m'avait mis aux arrêts, avec ordre de ne pas quitter Mantes. Et alors? Et alors, si je lui obéissais à lui, c'est à vous que je désobéissais. Et vous voyez, j'ai choisi entre vous deux. Alors vous êtes en état de rébellion vis-à-vis de l'autorité royale? Je le crains, oui.
Opinant d'ailleurs, je ne crains pas. Car je compte envoyer ma démission d'ici même. De telle sorte que je ne serai plus tenu par aucune obligation envers qui que ce soit. Mais alors vous serez libre, Philippe. Libre enfin d'épouser le parti des princes et de la loyauté. Le parti de son Altesse, la princesse de Condé. Claire, si je comprends bien, vous ne vous réjouissez de me voir libre que pour m'attacher à nouveau. Oh, Philippe. Mais rassurez-vous, car c'est le parti de l'amour que j'embrasse. Et puisque mon cœur est à vous, mon bras est obligatoirement à la princesse de Condé. Dès que j'aurai envoyé ma démission, bien sûr. Alors maintenant, Philippe, je suis pleinement heureuse. Comme tu es belle. Nom du roi, ouvrez. Oh. Le baron de Canol est bien ici? Ben oui. Dans quelle chambre? Bah, à l'étage, tout de suite à droite. Monsieur de Canol, je vous arrête au nom du roi et de sa majesté la reine régente. Votre épée, je vous prie. Et moi, monsieur? Mais vous, madame, vous êtes libre. Je n'ai reçu aucun ordre en ce qui vous concerne. En ce cas, monsieur, auriez-vous l'amabilité, avant de m'emmener dans quelques Bastilles ou quelques Vincennes, de me laisser un moment seul avec madame afin que nous puissions nous dire adieu? Mais assurément, ce ne saurait plus être le service de sa majesté si l'on n'y autorisait point de tels usages. Donnez-moi seulement votre parole de gentilhomme que vous ne chercherez pas à vous évader. Je vous donne ma parole. Claire. Nous ne serons donc jamais l'un ni l'autre. Mais si nous le serons sûrement, c'est trop injuste. Il faut maintenant que je vous arrache des griffes du Mazarin. Vous m'avez déjà tiré de celle du duc d'Epernon. Vous voyez bien que vous ne serez en sécurité que lorsque vous aurez rejoint le parti des princes. Je n'en prends malheureusement pas le chemin. Ce serait plutôt celui des geôles de monsieur de Mazarin. Et dans un certain sens, je le mérite bien. Mais dites-moi, Philippe, cet homme qui vient vous arrêter. À vous aussi. Il vous semble que vous le connaissez. Oui. Il me semble que c'est celui qui est venu m'arrêter en pleine nuit ici au nom du roi. C'est une étrange coïncidence. Mais il y a plus étrange encore. Quoi donc? Il me semble l'avoir vu à Chantilly. Vous devez certainement vous tromper. Il ne peut à la fois appartenir à Mazarin et au Condé. Pourquoi pas? Si c'est un agent double, et ce ne serait pas le premier vu la diablerie du Mazarin, vous pourriez l'acheter et me faire savoir par lui où vous êtes enfermé, et je viendrai vous délivrer. Tout cela est bien romanesque, Claire. Mais je vous jure que si l'on m'enferme, je ferai tout pour m'enfuir et pour vous rejoindre, où que vous soyez. Bien. Moi, je m'occupe de lui. Mais elle ne la perd pas de vue. Celui-là, sans qu'elle s'en aperçoive. Je veux savoir où elle va et qui elle est vraiment. Monsieur de Canol, il va nous falloir partir. Eh bien, pourriez-vous me dire quelle direction nous allons prendre? Celle de la Bastille ou celle du château de Vincennes? Ni l'une ni l'autre. Je vous conduis dans une forteresse proche. Ça fait une heure qu'ils ont envahi l'auberge et ils n'ont toujours pas commandé à boire.
Ça vaut mieux que les derniers qui arrêtaient pas de commander puis qui partaient sans payer. Ah oui, mais leur capitaine a fini par régler. Et là-haut non plus, ils n'ont toujours rien commandé. Ces messieurs sont bien sûrs qu'ils n'ont pas envie de se rafraîchir. C'est pas tellement une question d'envie qu'une question de consigne. Nous sommes pour le moment en service. Mais enfin, c'est pas une caserne ici, c'est une auberge. Venez, si vous voulez des explications, demandez-les au capitaine. Alors, rien de nouveau, mon capitaine. Ni en bon, ni en mauvais. Tant mieux dans un sens, tant pis dans l'autre. Mais en ce qui me concerne, c'est plutôt bon. Vos camarades sont arrivés avec moi en renfort. Ils sont là, autour du village? Ouais, ils occupent la route au nord et au sud. Arrêtez le guet et puis détendez-vous un peu. Oh, ben ça devrait être le moment de servir du vin à ces messieurs. Absolument. Voilà pour leur donner à boire à ma santé. Oh, tu n'as pas entendu, monsieur l'officier? Ah, enfin, je suis bien heureux de vous voir, mais son Altesse vous attend avec encore plus d'impatience. Je ne voudrais pas la faire attendre une minute de plus. Une Altesse maintenant. Une Altesse au veau d'or. Pour son arrivée en Guyenne, j'ai l'honneur, avec mes voeux de bienvenue, d'annoncer à son Altesse qu'une partie de mon régiment nous a déjà rejoints et a pris position autour du village et de l'auberge. J'apprécie plus que jamais votre efficacité et votre loyauté à notre cause, monsieur le capitaine. Nos voeux seraient parfaitement comblés si, de surcroît, les troupes de monsieur de La Rochefoucauld avaient rallié les vôtres. Certes, mais d'une part, j'ai tout lieu de penser qu'elles ne sauraient tarder, et d'autre part, il est déjà heureux qu'elles ne se soient pas heurtées à celles du duc d'Épernon. Mais pourquoi, capitaine Richon, avoir choisi cet endroit plutôt qu'un autre pour nous y retrouver? Mais parce que c'est un point de rencontre idéal. C'est déjà ici que le vicomte, enfin, je veux dire, la vicomtesse de Cambe et moi étions convenus de nous rencontrer le mois dernier. Et comme votre Altesse peut s'en rendre compte, c'est certainement l'endroit le plus propice, non loin de la Garonne et de la Dordogne, pour fondre sur Bordeaux. Dès que monsieur le duc de La Rochefoucauld aura fait sa jonction avec nous. C'est vrai que j'ai hâte de le voir arriver avec ses hommes, ainsi que la vicomtesse de Cambe. Je crois savoir qu'elle ne tardera pas à nous rejoindre et devait quitter Chantilly aussitôt après moi. Il faut bien dire qu'une confidente féminine, une amie de toujours, me serait un grand réconfort au milieu de tous ces hommes et de tous ces soldats. Et puis, en dehors de toute notre affection, elle m'a été encore une fois si précieuse. Mais notre ami Richon ne doit sans doute pas savoir comment la vicomtesse, en prenant la place de votre Altesse, a réussi à berner, mieux encore, à enjôler l'espion de Mazarin, le baron de Canolles. Canolles ? Espion de Mazarin ? Oui, vous le connaissez ? Fort bien, oui. Et je n'ai guère été surpris qu'il ait été sensible au charme de madame de Cambe, dont il avait déjà deviné ici même, sous son déguisement, la véritable nature. Je commence à comprendre pourquoi notre stratagème a si bien réussi. Oui, et moi, pourquoi le baron de Canolles n'a pas reparu ici ? Du coup, c'est moi qui ne comprends plus. Que diable viendrait faire ici ce monsieur de Canolles ? Il retrouvait sa maîtresse, Nanon de l'Artigue. Ce qu'il aurait manqué de faire s'il n'avait été séduit ailleurs. Mais je dois aussi montrer et indiquer à votre Altesse une autre raison pour laquelle nous avons tous décidé de nous rejoindre ici. Si votre Altesse veut bien prendre cette longue vue et regarder droit devant elle, elle verra, pardon, elle verra la première raison, ou plutôt le premier endroit. Cette maison-là, enfouie sous les arbres, c'est celle où Nanon de l'Artigue avait coutume de recevoir son amant de cœur, le baron de Canolles, et aussi son amant en titre, le duc d'Épernon. Et qu'en surveillant Don, nous avions toutes les chances d'intercepter messages et courriers. Mais malheureusement, le duc ne s'est pas manifesté, et Nanon de l'Artigue elle-même a disparu depuis hier. Peut-être ont-ils flairé notre présence. Et maintenant, si votre Altesse veut bien déplacer sa longue vue vers la droite, elle finira par apercevoir le fort de Verre, une des deux clés de la Guyenne avec la forteresse Saint-Georges. C'est pourtant un endroit qui m'a l'air bien désolé et bien abandonné. Il pourrait ne plus l'être, grâce à ce papier que je vous ai ramené de Chantilly. Ce papier ? Entrez. C'est une dame qui vient d'arriver et qui demande à être reçue tout de suite.
Cette chère petite Claire, vite qu'elle entre. Je m'incline aux pieds de votre Altesse. J'avais tellement peur d'arriver trop tard. Je viens de mettre la dernière main à mon plan pour nous emparer de Bordeaux. Et j'ai réussi à déjouer toutes les embûches pour le soumettre à votre Altesse. Où ils sont allés? Mmh. Oh, mais où ils vont tous en ce moment? Alors, satané fort de mer. Ah. On se demande bien ce qu'ils vont y faire. Son Altesse également? Ah oui, oui, je crois même que c'était son Altesse la plus empalée pour aller visiter. Et qui était avec elle? Monsieur Lenay, le capitaine Richon? Oui, oui, il me semble bien que ce sont ces noms-là. Il n'y avait pas une jeune femme avec eux? Enfin, oui, une femme. Ah, la vicomtesse de Cambes? Ah non, non, je crois que c'est madame de Tourville qu'elle s'appelle. Je vous avais dit une jeune femme, pas une duègne. Ainsi, madame de Cambes n'est pas ici. Oui, oui, mais il n'y a pas si longtemps qu'un jeune monsieur de Cambes est passé au Vaudor. Mais c'était un jeune monsieur qu'on se demandait si c'était pas une jeune madame. Si vous voyez ce que je veux dire. Oui, 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 je vois ce que vous voulez dire. Alors, monsieur ne va pas faire son tour, lui aussi, au fort de Verre? Eh bien non, je n'en ai plus envie. Hein. Et monsieur a peut-être envie de profiter de ce qu'il se trouve dans la meilleure auberge de toute la Guyenne pour faire un repas comme il n'en a pas fait depuis longtemps. Mais oui, oui, ça me semble une excellente idée. Il a remis toi de mettre le couvert. Oh, je ne savais pas que monsieur le duc était arrivé. Encore un duc? Oh, ils vont tous défiler ici. Moi, mon capitaine, qu'est-ce que je vais devenir? Veux-tu que je te dise? Je ne sais même pas combien de temps je dois rester enfermé dans cette forteresse. Et le pire, c'est que si je devais me punir moi-même pour la faute que j'ai commise, je ne me ménagerai pas. Comment ça? Mais tu ne te rends pas compte que j'ai trahi tout le monde? Je ne suis qu'un misérable qu'on aurait le droit de laisser au cachot jusqu'à la fin de ses jours. Moi, je n'ai trahi personne. Je n'ai fait que suivre. Mais tu as suivi un homme qui était chargé par la reine de France de surveiller une personne qui conspirait contre le royaume. Et qui la laisse filer. Par amour, mon capitaine. Par amour. Et pour la plus adorable des jeunes femmes, que je ne reverrai sans doute jamais. Mais vois-tu le pire, Castorin, c'est que je n'ai pas seulement trahi la reine de France. J'ai aussi trahi ma maîtresse, cette pauvre Chernanon. En tout cas, moi, j'ai toujours été fidèle à Francinette. J'aurais bien de la chance si, après tout cela, je ne croupis pas dans un cul de basse fosse ici jusqu'à la fin de mes jours. Si monsieur le gouverneur de la forteresse Saint-Georges veut bien me suivre. Mais monsieur, à qui vous adressez-vous donc? Mais à qui d'autre que vous, monsieur le commandant de Canoles, gouverneur de la forteresse Saint-Georges? D'ailleurs, tenez, voici votre épée. Et si vous voulez me suivre. Thank you.